Salut à tous, encore une nouvelle vidéo de destruction massive avec un smartphone qui est appelé donc le Dream Phone. Donc a priori un smartphone qui résiste à la perceuse. Bon, moi je veux bien y croire, mais on va déjà faire le test tel qu'on l'a fait avec les Oukitel K4000, K6000 du plantage de clous. Et le plantage de clous avec ce VK donc 700X, un smartphone simple mais plutôt joliment fini, avec une boîte très simple elle aussi, beaucoup plus simple de ce que fait d'habitude donc VK World avec les 800 et les 700 Pro. Et donc voici le 700X, un smartphone de 5 pouces avec une coque amovible multicouleur. Voilà les entrailles de la bête. Un smartphone équipé avec une batterie de 2200 mAh. Il est équipé du NT6580, donc il n'est pas 4G, il n'est que 3G, mais il a un châssis, vous le voyez, tout en métal, donc a priori résistant. Des boutons que j'ai testés qui sont eux aussi en métal, et je le rappelle, c'est un smartphone qu'on trouve autour des 60 euros. Et voilà, donc il est annoncé comme étant très résistant. Ben voilà, on va tester tout de suite aussi avec un plantage de clous. Clous que je prends, que je mets sur la planche en bois. Je prends le smartphone et, bien écoutez, on va tester tout de suite ce plantage de clous. Alors peut-être petit, gros, j'en sais rien. Bon, bref, on va prendre le petit clou pour l'instant. Pour l'instant, ça esquinte, vous le voyez, donc la protection de la dalle, qu'on va retirer d'ailleurs elle aussi tout de suite. Ça n'a pas esquinté l'écran en dessous, là non plus. Mais bah, écoutez, on va voir tout de suite si vraiment ce VK700 résiste à tout. Hein. Allez, on plante. Alors, on voit de légers impacts, très légers, hein. C'est vraiment en surface, pas grand chose, vraiment pas grand chose. On va essayer de les montrer, je suis même pas sûr que vous les voyez à l'écran, ils sont par ici, non ça se voit très peu hein, je crois, hein. Donc alors est-ce que c'est bien planté? Non, pas terrible. On va prendre l'autre clou, ça c'est les deux mêmes, je vais prendre un plus gros. Voilà. Alors, je crois que j'ai des noix aussi d'ailleurs, tiens. Je vais tester peut-être avec des noix aussi après. Alors, toujours pas d'impact sur l'écran. Je vais essuyer. Et ça s'essuie très facilement d'ailleurs. C'est amusant. Voilà. Non, il n'y a pas grand chose ici. Voilà, d'ailleurs, je commence à voir les doigts qui noircissent avec les clous. Donc, très très léger. Petit. Petite griffure, mais très légère, vraiment en surface, là, sur ce côté-là. Un clou, bon, qui est planté, mais pas tant que ça. Je vais voir des noix, je reviens tout de suite. Il y en a 4, j'avais raison, je savais que j'en avais dans un coin. On va continuer le clou après, et on va se mettre à casser des noix, comme nos amis chinois le montrent si bien.
Alors, soit c'est des noix molles qu'ils ont, ou alors les miennes sont excessivement dures. Non, ça y est. C'est fait. Voilà, c'est fait. On continue. Ouah, ça gicle partout. Bref, hop là, on continue. Voilà. Alors, cassage de 4 noix. Que je vais goûter rapidement devant vous pour vous dire si elles sont pas trop mauvaises, les noix de cette année, en tout cas de la fin 2015. Non, ça va. Alors, mesdames les noix, avez-vous esquinté cet écran? Eh bien, écoutez, rien du tout. Vous le voyez, aucun impact, rien. Bon, donc on peut déjà utiliser ce smartphone pour casser des noix. Donc là, là-dessus, pas mensonge. On va parler comme les enfants, pas mensonge, mensonge. On continue donc maintenant qu'on a cassé des noix avec notre clou. J'ai du mal à planter quand même ce gros clou. On dirait vraiment que ce bois est dur quand même. C'est assez impressionnant, hein. Essayez ailleurs. Ce n'est que du sapin quand même. C'est assez étonnant. Ça peint très très sec et devient aussi dur que du chêne. C'est nouveau. Attendez. Je vais déplacer un peu la caméra. Vous verrez beaucoup mieux ce qui se passe avec donc le VK700X de VK World, le clou, la latte de sapin, tasseau sapin, sapin du choix, premier choix, hein, pas du super top. Alors, je tape aussi fort qu'avec le VK6000, très honnêtement, hein, je tape fort. On va essuyer. Alors, toujours aucun impact. Très honnêtement, vous le voyez, je pense, avec les reflets de lumière, c'est ici que je tape, hein, en haut. Rien. Vraiment rien du tout. Est-il planté? Alors, oui, il semble mieux planté. Oui, ça y est, il est vraiment bien planté. Voilà. Je peux le prendre, je peux le tourner. Il tient. Alors. Il tient. On va regarder si il fonctionne quand même. On va l'allumer. Parce que c'est bien de planter, mais fonctionne-t-il toujours ? Vous l'avez vu sur notre vidéo précédente, le K6000. Bien que la vitre se soit quand même pas énormément brisée, le tactile ne répondait plus. Bon, là, il y a plus de 2% de batterie. Eh bien, écoutez, ça répond parfaitement, hein. Voilà, ça c'est l'interface du VK700X avec des jolies fleurs, c'est plutôt joyeux. On va continuer à planter le clou. Donc là, il est vraiment bien planté, on continue encore. Ah,
On va essayer de prendre une photo d'ailleurs pour voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez pas grand chose, je pense, avec les. Si, voilà. Alors, photo prise. À l'instant. Vous voyez qu'en plus, les photos prises ne sont pas moches du tout avec ce VK700X. Je continue à planter ce clou. Alors, qu'en est-il de l'écran? On va essuyer pour retirer les traces de doigts. J'essaie de vous montrer. J'espère que vous voyez. Bah, eh bien, qu'il n'y a rien. Très très petite rayure, mais alors vraiment très infime, qui se trouve ici. Je pense que vous ne la voyez même pas à l'écran. Elle est là, juste là. J'essaie de bouger en espérant qu'on puisse la voir à l'écran, mais alors elle est vraiment infime. Mais écoutez, je pense que voilà, le VK700X a fait ses preuves. On peut essayer de taper, de continuer à taper avec le bord ici, donc en métal. Alors, il m'a lancé de la musique. Voilà, j'en veux pas. On va taper donc avec le rebord du cadre qui est en métal. Alors un cadre en métal qui ressemble étrangement d'ailleurs dans ses réactions au cadre du K4000 de Hookitel, puisqu'il marque très très peu, un métal très dur, vous le voyez, il marque très 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 peu, donc je pense que vous le laissez tomber, je pense qu'il n'y aura pas de problème. D'ailleurs regardez, enfin je le fais, vous allez le voir sans le voir, mais voilà, voilà. C'est du carrelage au sol, hein. Donc voilà, il est un peu sale. Ok, ça fonctionne toujours au niveau de l'écran. Il est tombé sur le côté ici, donc effectivement il y a un très 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 léger impact ici. On le voit d'ailleurs, donc c'est le chanfrein qui est légèrement écrasé. Mais alors l'écran n'a pas bougé d'un iota, rien du tout. Un impact très 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 infime dans l'angle. Mais alors il a résisté parfaitement parce que je ne l'ai pas lâché bêtement, hein, je l'ai jeté en même temps. Je vous le jure, voilà. Et donc, bah, écoutez, je crois que le VK700X, pour ma part, VK World ne m'a pas menti. Et il est reçu à 100% ce VK700X. J'attends de nouveau des VK700 Pro, ce genre de choses, pour voir en fait la résistance de la même façon au cassage de noix ou ce genre de choses. Mais le cassage de noix, vous l'avez vu sur celui-ci, c'est du tout nickel, hein. Voilà. Donc voilà pour ce VK700X de la marque VK World, qui a parfaitement lui résisté au plantage de clous. Que ce soit donc sur les bords avec son cadre en métal qui marque vraiment très peu, on les voit les impacts, donc ça marque quand même pas beaucoup, l'écran qui a pas du tout marqué, ou que ce soit au cassage de noix qui sont d'ailleurs très durs ces noix, et au plantage de clous qui est lui parfaitement planté. Voilà, bref, cette vidéo vous a plu, il me remet la musique de Mademoiselle Je ne veux pas. La vidéo vous a plu? Un pouce en l'air, un commentaire,
un partage au monde entier. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Que cette année 2016 vous porte toute la joie et tout le bonheur que vous méritez. A plus, ciao, à la prochaine.